lui, il s'identifie à Elohim. Il a été donné, offert aux humains, afin que ceux et celles qui croient en lui ne puissent point être sauvés. Donc il est capable aussi de nous délivrer non seulement du péché, amen, de la mort et aussi de la drogue. Amen. Alléluia. Amen. Ah, c'est ton souhait. Mon souhait le plus atteint, en fait, j'avais arrêté. Moi j'arrête et puis je joue. Ok. Mais en tout cas, Dieu, je sais que Dieu est toujours avec moi. Tu prends quoi comme. C'est quoi comme drogue que tu prends? Bon. Je fume Esca. D'accord. Ça, c'est la cannabis. Le cannabis, oui. Cocaïne. La cocaïne aussi. Oui. Ok. Ça, c'est lui. Oui, mais chacun a son sentiment. Ok. Voilà, il y a plusieurs, mais chacun. Ok. Ok. Donc toi, c'est plus de l'herbe. Voilà, de l'herbe, voilà. Okay. En tout cas, je glorifie le nom de Dieu parce que ça ne m'a jamais incité à, comment on appelle ça, transgresser la loi. Transgresser la loi, si je peux le dire ainsi. Tu es un homme de Dieu, il faut parler de la vérité. C'est que tu as commencé là, nous tous on a eu confiance en toi. Tu t'as pas yoga, tu ne fous pas pour toi. Tu veux parler de Dieu. Mais c'est cocaïne, on parle de Dieu. Non. C'est l'homme de Dieu, tu as pas un homme. Tu te dis que c'est toi, tu as bien parlé. On te dit, c'est toi, tu commences à les mentir. Tu fumes pas cocaïne. On ne passait pas ensemble ici. Ah, faut pas monter un faux signe ici. Si tu as monté, il est bon, faut être bon. Qu'est-ce que tu as? Moi, je ne comptais pas cacher ça parce que je suis déjà dedans. Mais il fallait je voulais expliquer un peu. Voilà, je voulais aller étape en étape pour que vous sachiez. Non, mais faut donner la lumière. Faites donner la parole. Donc la parole, c'est qu'il a lu là. C'est qu'il a dit là. C'est ça, c'est ce qu'il a fait. Voilà. C'est pas tous les jours. Voilà, c'est mon Dieu, C'est mon grand frère, à travers lui, moi je peux apprendre, il connaît en expérience. Et surtout l'une des choses qu'il faut apprendre, c'est de ne pas mentir. Voilà, quand on demande la parole, il faut l'accepter simplement. Non, en fait, moi j'ai voulu suivre le truc qui dit. L'homme, on dit, hein, ce qui est pour toi, c'est pour toi, pas pour lui vers ça. Maintenant, moi aussi, là, je viens de vous connaître. Je ne peux pas dire que je suis dans, comment on appelle ça, dans le haut niveau. Je ne peux pas dire que vous êtes dans le. Tu as reconnu, c'est le plus important. Voilà. Donc, là, qui veut sortir de la drogue? C'est difficile. Là. Ok. Et puis départ, le cœur noir, c'est dur pour sortir dedans. Ok. Ça fait moi, ça fait pas au moins 15 à 16 ans que je suis dedans depuis que je suis tout petit. Wow. Mais je cherche à sortir dedans, il ne peut pas, papa. Il doit rester chez moi-même pour venir vivre ici. Voilà. C'est très très difficile. C'est le diable va vaincre. Et ça coûte combien une dose comme ça? 3500. C'est de la coke, c'est quoi? C'est le crack et puis de l'héroïne. Ok. C'est le crack, l'héroïne, c'est le crack. Il y a deux qui s'injectent.
Oui, vraiment, c'est un truc qui nous prend une addiction très sévère. Ok. On en est plein à aller voler, à se trouver en prison. Il y a d'autres mêmes qu'on a battu à mort. Parce qu'ils voulaient juste avoir un peu d'argent pour eux. Tous ceux qui sont ici, au réveil même là, tant que quelqu'un n'a pas eu quelque chose pour fumer là, c'est comme si sa journée même n'avait pas encore commencé. Tu le vois, il a l'air d'être malade. C'est comme une maladie. Il ne peut même pas parler, il est d'un coin. Il faut qu'il fume au moins. Et personne parmi vous ne travaille? Personne ne travaille? Non, on ne travaille pas. Nous sommes des chômeurs. Tu commences à avoir déjà terminé. Non, c'est vrai qu'ils travaillent. Bon, c'est vrai qu'ils travaillent. D'autres travaillent pas. C'est vrai qu'ils travaillent. D'autres aussi travaillent pas. D'autres sont des folles. On n'est pas affiliés à une entreprise ou bien. Ok. C'était où alors? Et si on s'organise avec notre association ici sur place à Abidjan pour vous venir en aide, pour vous aider à sortir avec la prière, avec d'autres moyens que l'on peut avoir à notre disposition pour vous aider à sortir de là, qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'a arrangé, ça a beaucoup m'arrangé. Dans ce soleil, maintenant, vous voulez là, tu vas dans ta main. Tu vas me chiter ça. Il y a beaucoup de diplômés ici, même si elle va soutenir, tu vas arrêter. Ouais, elle va vivre. Comment tu t'appelles? Pour gâcher ça. Oui, rattraper ce temps. Waouh, jeune homme. Viens. C'est dur, c'est dur. Tu as quel âge? Oh, c'est bon. Oh, père. Combien d'années cachées? Combien d'années cachées? Souviens-toi de lui. On est promotion, nous on va nous dire promotion. Père, on a dit. Beaucoup de nos amis, on les voit même pas passer devant eux. Alors, c'est une page. Et si on loue un bus, on vous prend tous pour vous inviter à la prière. On sera. Tous les jours, vous c'est bon? Oui, très bon. Ok. Donc, on va louer un bus tout à l'heure. Ok. On vous invite, on a une nuit de prière, on vous invite à veiller. D'accord. D'accord? Ok. On va s'asseoir, ce soir, on va parler ensemble, on va manger ensemble. Et on va voir avec nos frères qui sont notre frère qui est médecin là-bas, voir comment on peut s'organiser pour vous aider à sortir de là. Donc le bus va arriver à quelle heure ça peut récupérer? 20h, le bus va arriver avec Jean-Marie, d'accord. Donc on va voir aussi pour les vêtements, on va voir un peu, on va s'organiser parce qu'on a des associations qu'on a mises en place pour aider les gens dans le monde entier, d'accord. On est tous passés par là et on va tendre la main, on va vous tendre la main pour vous aider à sortir de là parce que c'est pas une vie, voilà. Comme je vous l'ai dit. On regrette, mais ça, c'est que ça nous rendre courant. Comment? Le car vient à 20h. Avec Jean-Marie. Ici. Jean-Marie qui est là. D'accord? Donc nous, on part, on va s'organiser, on va tout préparer comme ça. On vous reçoit tout à l'heure, on va rester ensemble. D'accord? On va voir comment on peut s'organiser. Tu pars avec lui? Mon petit garçon. Il n'y a pas de problème avec toi. Il a quel âge? Il a 6 ans. Ok, il n'y a pas de souci. Donc tu viens avec, on a des vêtements aussi pour lui logiquement, donc il n'y a pas de souci. D'accord? Voilà. Il ne faut pas oublier que le Seigneur, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Hein? Il y a toujours un jour où le Seigneur nous visite et il faut saisir cette visitation-là. Voilà. D'accord? C'est ça. Voilà. Ça va aller. Voilà. Ça va aller. Donc que le Seigneur soit béni. En tout cas, on va pour l'instant vous prendre à manger là-haut quand même pour manger à midi. Il est 13h20. Comme ça le soir. Vous voulez manger quoi ce soir? Ce soir on sera à la table des rois. On ne descend plus. On reste là. On reste là. Ok. Donc on va s'organiser. Donc en tout cas ce soir on est ensemble. On va être ensemble et puis on va louer le Seigneur ensemble. On va manger ensemble et puis après on va faire. Il y aura un entretien avec le docteur Niaoui. On va voir comment avec lui on va pouvoir vous aider.
Et ceux qui le voudront, ceux qui n'ont pas de formation professionnelle, on peut aussi payer leur formation professionnelle. L'électricité, peu importe la formation, donc on va s'organiser comme ça. Voilà. D'accord. On est tous africains. Je suis français mais d'origine congolaise. J'ai grandi à Paris, mais je suis avant tout africain. Voilà. Quand on voit nos frères comme ça par terre, on doit le relever. Il y a une parole d'un qui dit que tout est possible à celui qui croit. Donc si comme vous le croyez, eh ben, c'est possible de sortir de là. C'est bon? Waouh! Ok. Donc il y a quelqu'un qui va venir. Tu vas venir chercher la nourriture là-bas. Ouais, l'Asias. L'Asias. Non, l'Asias. Donc on se dit à ce soir à 20h. Jean-Marie sera là avec le bus. Donc il reste ici. À 20h, il sera là comme ça. On se retrouve là-bas. C'est parfait. Oui. Les lieux. Comment? Tu veux la batterie? Ah ben tu vas jouer la batterie ce soir. Pas de problème. En plus, tu m'avais promis. Le car sera déjà 20h pour les autres. On va partir ensemble là-bas. Donc, on va changer la nourriture. Tout à l'heure. Ok. Merci aussi. Très bien, vous deux. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus.